Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Bon, aujourd'hui, on est sur un énorme nid de frelons asiatiques. Bon, il est mal placé, il est sur un toit, il faut escalader et tout ça, mais il est énorme. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus gros que j'ai fait pour l'instant de la saison. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous le montrer d'ici. Vous voyez là, hop, là ici, il y a l'échelle. Donc ici, il y a la Dédé mobile avec moi, ça va nickel. Et donc on est dans une petite rue d'un magnifique village qui s'appelle Rio Volvestre. Donc ici, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez l'échelle? À droite de l'échelle, vous avez le petit nid de frelons. Enfin petit, très très gros nid de frelons asiatiques. Donc on va monter sur le toit et on va aller voir le nid de plus près. Allez Dédé, c'est parti pour le combat. Il va avoir du monde, il va avoir du monde, il va avoir du combat. Donc là j'ai regardé mes voisins, tous, ils ont fermé les fenêtres. Là, il faut mettre la sécurité parce que ça va voler partout, partout, partout. Il va y avoir un gros combat, un gros combat. Bon, allez, je m'habille et je me prépare. Là, je mets la grosse combi et les bottes, tout ce qu'il faut. Visière, buée, anti-buée, tout ce qu'il faut. Allez, à tout à l'heure. Petit panneau pour dire attention, traitement de nid de frelons. Parti pour le combat. Bon, là on va monter à l'échelle. Je filme avec le téléphone puisque j'ai pas la GoPro et il n'y a plus de batterie. Donc ça va être un peu plus chaud à filmer, mais ça risque de bouger un peu plus. Donc là je vais monter à l'échelle, je vais couper et dès que je suis en haut de l'échelle, je vous reprends. On est à côté, on est sur le toit. Il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud. Regardez la vue que j'ai, on a vu sur la cathédrale. Voilà pourquoi ils se sont installés les frelons. Vous voyez? Ils sont très bien là. Allez, vous le voyez là? Regardez-moi ça. Regardez-moi comment il est beau. Là vous avez le contre-jour peut-être. Regardez-moi ce mouche. Des attaques, je vais pas trop tarder à envoyer la dose parce que comme on est dans des petites rues, alors des petits à-coups un peu partout. Là, on est attaqué, là on est attaqué. Vous voyez les frelons blancs qui sortent. Je vais essayer de vous montrer. Allez, un petit pouce. Gros nid de frelon. Grosse attaque. Un petit bisou. Voilà un petit bisou au nid. Je vais essayer de l'ouvrir un peu. Montrer l'intérieur. Ça reste très 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 impressionnant. Regardez ma main. Là c'est la méga attaque, on est d'accord, on est vraiment d'accord, c'est la méga attaque.
Il n'était pas dangereux, les gens n'allaient pas tomber dessus, mais vous avez vu, il a eu le temps de grossir. Donc celui-là, à mon avis, il est là depuis 2 mois. D'après les voisins, ça fait un petit moment qu'ils l'ont vu. Regardez, il va être proche aux antennes. Donc voilà, donc maintenant il faut laisser agir. Tant que je suis là, ben, ils vont m'attaquer. Donc ben, là, on va plier des affaires. Je vais éteindre le téléphone, le temps de descendre à l'échelle pour être en sécurité, et après je vous reprends. Ouais, voilà, la vidéo est terminée. L'intervention est terminée, donc il faut laisser agir. J'ai chaud, c'est assez chaud, j'ai chaud, je récupère le panneau. Regardez-moi cette vue qu'on a, franchement. Regardez. Ouais, une belle petite cathédrale. C'est un joli petit village. Si un jour vous venez dans la région toulousaine, allez visiter ce village, il est sympathique. C'est pour ça que les frelons, ils se sont mis devant, là. Ils avaient une belle vue, là. À mon avis, le laurier, il doit coûter cher pour les frelons. Bon, écoutez, là, je vais finir de ranger le matériel. J'ai pas fini d'enlever la combi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, un petit like. Suivez la chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Plus ça va aller, plus la chaîne va s'améliorer. Je vais essayer de m'améliorer dans les montages et tout ça pour devenir une chaîne un peu plus importante. Surtout que j'aime ça, j'aime les gens qui ben je vous aime à vous en fait, parce que vous partagez, vous me laissez toujours des petits commentaires et ça c'est top. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Yeah.